Aujourd'hui, on est sur un site de distribution alimentaire à destination des familles qui bénéficient de la gratuité des cantines. Puisque, effectivement, les écoles ont été fermées, hormis pour les publics prioritaires, la ville de Marseille a fait le choix de transformer ces trois repas, qui étaient des repas gratuits à destination des familles les plus démunies de la ville, en distribution alimentaire pour pas qu'elles en perdent le bénéfice. Étant entendu qu'on sait que dans de très nombreux cas, le repas équilibré est le repas qui a lieu à la cantine. Et donc effectivement, comme on sait que ça peut mettre en difficulté les familles, on a fait le choix de puiser dans les stocks de la ville pour assurer une distribution alimentaire sur ces trois repas. Donc on est présent ici aujourd'hui à l'école Corsec, mais il y a 19 écoles qui sont ouvertes dans la ville et qui font office de lieu de distribution avec des équipes que vous voyez ici, qui sont des équipes composées de services civiques d'unicité. Et en plus, ici, c'est des médiateurs sociaux de la ville de Marseille, mais ça peut être aussi des membres de centres sociaux de la ville de Marseille qui, en fonction des lieux, viennent animer le dispositif et accueillir les familles. C'est une période compliquée pour tout le monde, qu'on soit petit, grand, plus vieux, moyen. C'est une période difficile pour tout le monde, il faut faire avec et c'est comme ça. L'essentiel, c'est de s'aider, s'entraider.